nationale des sports à Paris pour la préparation finale des Jeux Olympiques. Score honnête pour Maud, 9,10. Et nous retrouvons une Britannique, Vanessa Hobbs. Tout autre gabarit. Oui, Salto arrière, corps groupé. Beaucoup de dynamisme chez Mademoiselle Hobbs. Toute jeune également, hein, 17 ans. Voilà, elle avait pris la 5e place des qualifications. Twist double avant, c'est-à-dire demi-tour, double salto avant, avec beaucoup d'amplitude. Vanessa Hobbs, très très athlétique. Dernière diagonale. Tempo. Série de flips et double vrille et demi. Pas mal du tout. Voilà, bel exercice, bien emmené. Cinquième place, je le disais, aux qualifications avec la note de 8,825. Elle peut peut-être espérer un petit peu mieux maintenant avec cette belle prestation. D'habitué des places d'honneur dans les différents tournois internationaux. Elle était cinquième à Côte-Rousse. Une petite sortie praticable qui sera pénalisée d'un dixième de point, bien sûr. Voilà le tempo, c'est-à-dire le flip sans les mains, enchaîné avec un flip, deux flips, impulsion, un tour, deux tours, plus un demi-tour, deux tours et demi. Et nous découvrons maintenant Mademoiselle Gonzalez. Gymnaste relativement âgée. La note de Vanessa Hobbs, malheureusement pénalisée par sa sortie de...